Bonjour à tous, la vidéo du jour a été tirée d'un live que j'ai réalisé sur YouTube. D'ailleurs, si t'es toujours pas abonné à la chaîne ou t'as pas activé la cloche, n'hésite pas à le faire pour savoir quand je suis en live. Et je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, parce que je suis assez salé sur ces invocations. C'est mes 4 dernières multi sur Gohan et l'air. Et je suis assez salé dessus, mais à la fin, j'ai rajouté un bout après le live que vous n'avez pas vu. Donc voilà, même pour ceux qui ont vu le live, n'hésitez pas à vraiment rester jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On est actuellement en live sur YouTube. On va lâcher notre dernier cycle sur le Gohan et l'air du coup. Alors j'ai fait une petite, j'ai fini mon cycle hors vidéo en deux multi plus la gratuite. Du coup j'ai eu le Gohan Ultimate Puy que j'ai maintenant à 100% et un deuxième doublon du VB Tech. Donc c'est plutôt pas mal, après c'est pas ce qu'on veut. Sur ce portail, on a déjà le Vegeta MF 3 doublons. Donc, je m'en fous, en fait. J'ai pas envie d'avoir un autre doublon. Le C17 MVP, on l'a déjà. Deux doublons, donc je m'en fous d'avoir un troisième doublon. Ça sert à rien pour moi. Les deux premiers doublons sont les plus intéressants. Le C16, je ne l'ai pas. J'aimerais bien l'avoir. Le Badak, pas de doublon. Donc, pourquoi pas aussi. Et bien sûr, le Gohan LR. C'est ce qu'on vise ici. Donc, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Ça ferait grave plaisir pour envoyer de la luck. Et on va commencer avec la première multi sur les 4 en comptant la gratuite. Allez. Allez, une petite animation s'il te plaît. Yamcha Goten. Bon. L'animation est ultra pourrie. Il se transforme. Après, j'allais dire après ça peut être bien, mais il s'est même pas transformé en SSJ2. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. On se rappelle que sur Cellulaire, j'ai fait 6 multi sans rien et qu'après je l'ai eu, donc je pense pas, j'espère pas que ça va faire 6 multi sur celui aussi, mais... Mais voilà. On espère qu'on va drop. Allez, lâche-moi un petit truc quand même. Bon, je pense que cette multi... Ah ouais, il m'a fait vriller lui, j'ai cru que c'était le Badak. Je sais plus si je l'avais, je crois que je l'avais, maintenant j'ai un doublon dessus. Bon, pour l'instant il sert un peu à rien celui-ci. Donc on va enchaîner directement avec la deuxième multi. Allez, s'il te plaît, une animation, s'il te plaît. Pourquoi il y a eu Boo? Pourquoi il y a eu Boo? Quand il y a Vegeta et Trunks tout seul, c'est Vegeta garanti. Pourquoi il y a eu Boo? Rainbow. Non, c'est moi, oh, j'y ai cru. J'y ai cru au Vegeta, punaise. J'y ai cru au Vegeta. Arc-en-ciel, ça veut dire détecteur, mais les SR aussi sont détecteurs, donc sur une multi, il y a de grandes chances que t'aies le SR du détecteur. Allez, 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 sors-moi un truc bien, s'il te plaît. Le Gohan. Ah ouais. Ah ouais, non, mais il est plutôt pas mal, c'est le deuxième doublon. Mais deuxième multi sans nécessaire à part le garanti, quoi. Deuxième multi sans nécessaire à part le garanti. Ah, et ça fait mal, hein. Je vous avoue que ça commence à faire mal, là. Ça commence à faire très très mal, hein. Vous vous rendez compte que s'il n'y aurait pas eu le nécessaire garanti, j'aurais rien eu. Allez, lâche-moi une petite animation, s'il te plaît. Bon, ça veut rien dire. Espérons qu'il se transforme cette fois. Putain, ça m'énerve. Les animations, elles sont en panne sur mon jeu, là. J'en ai marre. Allez, là! Sors le Gohan! Ils se font pas la tête, là. Vas-y. Putain, sérieusement, 3 multi, pas une seule animation correcte, quoi. C'est... Oh, vas-y, frère. Oh, ouais. Oh, attends, c'est la troisième multi, là? Oh, là, là. Oh, ouais. Troisième multi. Oh, ça pue. Oh, je suis dégoûté, carrément. Oh, là, là, comment ça pue. Oh, c'est nul.
Oh, c'est nul! C'est nul, c'est nul, c'est nul. Genre, je peux pas trouver de truc positif, c'est nul. Même le Vegeta hors détecteur, j'en ai rien à faire en fait. 3 multi pour ça, c'est. C'est nul! C'est nul, il n'y a pas d'autre mot bon! Dernière multi. On espère avoir un truc parce que là. Là, je suis dépité, hein. Je suis dépité. 3 multi avec rien du tout. Vas-y, la même animation que tout à l'heure. Vas-y, transforme-toi pas. C'est bon, ça m'a cassé la tête. Ah, je suis dépité là. Je suis dépité. 3, mais 4 multis sans rien quoi. 4 multis sans rien. C'est ignoble, c'est honteux, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, vas-y, va dormir toi. Viens te coucher. Va te coucher toi aussi. Allez vous coucher tous les deux, c'est bon. Ah, c'est bon, vas-y. Regardez les trucs qui m'ont foutu. Mon... Ah, j'ai la haine. J'ai la haine, c'est bon. Ah, j'ai le mort. J'ai le mort de ouf. J'ai le mort de ouf. Putain. Bon. Écoutez, bah, on n'a pas eu de chance du tout. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que je mettrai pas plus de sous. Ce jeu, il est fait exprès pour ça. Donc, je mettrai pas plus de sous. Tant pis. On a essayé, on a tenté, on n'a pas pu. Hein, c'est dommage. J'aurais espéré quand même avoir au moins un doublon, un truc intéressant. En 4 multi, on s'est fait littéralement pisser dessus. On n'a même pas eu un seul essai du détecteur. Donc, c'est vraiment ignoble. C'est vraiment ignoble. Je suis pas du tout satisfait de ces invocations. Hein, je peux pas trouver de point positif. On va pas se mentir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais bon, bref, c'est le jeu. Tant pis. En tout cas, j'espère que vous aurez plus de luck que moi. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, portez-vous bien. Après ce fameux live, on a eu le top rentable. Alors le top rentable, je suis allé le farm. J'ai une multi avec Gohan Ultime Puy que j'avais déjà 100%. Je vous mettrai les screens sur le côté. Vraiment, j'étais dégoûté, vraiment à mort. Hein, parce que ça fait quand même pas mal de multi de suite où j'ai pas de Dokkan Fest comme je l'ai dit dans le live en fait. C'est pour ça que ça m'a pas un peu pété un câble. Parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre quand ça fait 6 multi de suite que t'as pas de perso détecteur. Et après, sur la 8ème. Tu t'en tapes un, mais que t'as déjà 100%, ça fait vriller un peu. Et du coup, après, je suis allé faire quoi? Je suis allé faire le Battlefield, donc le nouveau Battlefield Cyborg. J'ai récupéré les petites déj, j'ai grappillé les DS qui restaient. J'ai fait une dernière multi, et je vous affiche la multi juste ici. Cette multi de cette multi du désespoir, entre guillemets, qui s'est transformé en multi de l'espoir. Hein. La multi incroyable. La multi incroyable où j'ai enfin eu Gohan LR sur les dernières DS. Alors il est juste ici, le beau gosse. Il est où? Est-ce que je l'ai mis dans une team ou pas? Je sais même plus. Il est là. Il est là, donc je l'ai eu. J'ai réussi enfin à l'avoir. Et ça fait plutôt grave de chier, grave plaisir. Parce que vous avez vu comment j'étais salé dans la vidéo. J'en avais vraiment marre. J'en avais vraiment marre de pas drop au bout d'un moment. Mais j'ai quand même souhaité de la chance à tout le monde. Vous avez bien vu. J'ai quand même dit j'espère que vous aurez plus de chance que moi, etc. Donc j'étais salé, mais pas trop. Voilà. J'étais quand même dans l'optique où j'espère que même si moi je drop pas, vous vous dropiez. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui basent leur screen sur Twitter et tout. Ça fait grave plaisir de voir que tout le monde drop. Enfin, tout le monde drop. Ne prenez pas ça au sens principal parce que y en a qui vont me dire. Oui, moi j'ai pas drop, etc. Mais je veux dire, c'est cool de voir que vous dropez tout simplement, que plein de gens drop. Et partagez ça sur Twitter. Donc d'ailleurs, sur Twitter, n'hésitez pas. Le arrobas est juste en bas, c'est arrobas boustache avec deux U. Le Gohan. Alors le Gohan, par contre, un peu particulier quand même. Parce que pour avoir commencé à le jouer, c'est vrai que c'est un peu particulier de jouer dans les teams. Parce que je l'ai mis dans les teams, Sagat Cell, etc. Mais au niveau du ki, il a quand même qu'un lien. Enfin après il a guerrier doré qui donne qui plus 1 mais bon ça c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant, il a pas au combat et guerrier doré. Après il gagne un ki à chaque début de tour jusqu'à 5. Mais c'est vrai qu'au début moi j'ai du mal à partir en speed ultime avec tout simplement. J'ai du mal à lui trouver un meilleur pote à côté de lui qui active pas mal de liens. Donc c'est vrai que ce Gwen pour le moment j'ai du mal à lui trouver une place dans la team. J'ai du mal à trouver une place dans la team parce que à côté de d'autres persos, j'ai du mal à partir en split team avec lui. Sinon, bien sûr, il reste excellent. Hein, c'est juste n'importe quoi. Sans doublon, dès le deuxième tour, il a du 100 000 de def. Il tape super fort même avec sa spé à 12 de ki. Donc très très content de l'avoir eu. Vraiment, genre, vraiment très très content de l'avoir eu. Et d'ailleurs,
Je pense arrêter d'invoquer sur le portail. Je vous conseille d'arrêter d'invoquer sur le portail si vous avez eu les deux. Parce que j'ai réfléchi en fait. Et je me suis dit que le C16, ça valait pas le coup en fait d'invoquer sur le portail de Gohan juste pour avoir le C16. Alors, il me reste un cycle. Enfin, un cycle, non, il me reste deux multis en fait. Il me reste une multi gratuite plus une multi offerte. Sachant qu'il reste 10 jours, 12 jours. J'aurai sûrement les 30 DS qui manquent entre temps. Et je finirai le cycle. Ça, c'est sûr, je finirai le cycle. Mais sur le portail, en fait, je vais arrêter d'invoquer après ça parce que ça sert strictement à rien. J'ai eu le Gohan. J'ai pas le C16, mais c'est le seul qui manque. Et justement, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo aussi, c'est que n'invoquez pas pour un seul perso. C'est complètement débile, n'invoquez pas pour un seul perso. Ils ont été forts de mettre ces deux persos-là, C16 et les 16 juniors. Et encore, les 16 juniors, ils sont moins importants que le C16 qui enlève vraiment une grosse restriction au Gohan. Ils ont été forts parce que au début, j'avais envie d'invoquer juste pour lui. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait à rien, qu'il allait forcément revenir sur les portails après. Il allait forcément revenir sur le portail extrême, sur le portail int tout court en fait. Ce portail int avec les orbes où il y a les LR dessus, je pense qu'il va revenir et c'est la même pour le Cell Junior sur le portail AG. Je pense que ces unités-là vont être amenées de plus en plus à apparaître sur ces portails-là pour leur donner plus de valeur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les leaders, les supports, les néo-supports qui donnent 40% pour un type, etc., ils sont un peu dépassés et servent maintenant à rien. Donc je pense que ces deux unités vont revenir dessus. Et pour ce qui est du reste, j'ai des doublons partout. Donc ça sert strictement à rien à part sur Goku Multiforme. Par contre, sur le Cell, il me manque le Boo Multiforme et les Cell Junior. Donc il manque deux persos. Sachant que le Boo Multiforme, je le veux quand même pas mal. Et bon, c'est compliqué parce que je l'ai à 100%, je l'ai à 100%. Un doublon, pas de doublon, pas de doublon, 100%. J'ai quand même 3 persos 100% dessus. Donc je sais pas si je vais faire un dernier cycle sur Cell, je pense qu'il faut garder pour la deuxième partie parce qu'il y aura forcément un partage, j'en suis quasiment sûr. Et puis voilà, je voulais vous partager un peu ça parce que vous avez vu toutes mes invocations, vous avez vu mes galères sur Gohan, etc. Donc là je l'ai eu et ça fait plaisir et j'ai essayé de partager ça avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que de voir rager ça vous a fait un peu sourire, un peu rigoler. Mais tout est bien qui finit bien. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une vidéo. Je vous souhaite plein de love pour vos invocations encore une fois. Une très bonne journée ou soirée. Ciao, ciao, à la prochaine.